Dans les Bouches-du-Rhône, comme dans d'autres départements de France, le Front national avait fait au premier tour une percée spectaculaire, mais il n'entre pas à l'Assemblée nationale pour autant. Il perd même le seul siège qu'il détenait et il se prend à rêver à d'autres combats électoraux. Jean-Baptiste Prédaly, Jean-Marie Le Maire. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Il ne croyait pas si bien dire, Jean-Marie Le Pen et le Front national restent bien seuls, ou plutôt isolés. On a eu beau trinquer hier soir, les dimanches électoraux ne se ressemblent pas. Aucun des 100 candidats présents au deuxième tour élu, l'unique siège à l'Assemblée perdu. Jean-Marie Le Pen lui-même largement défait à Nice, interdit d'alliance à droite. Le Front national s'en prend au scrutin majoritaire et n'a plus qu'un recours, attendre la suite. S'il n'y a plus de représentation à l'Assemblée, eh bien il faut que les Français s'expriment politiquement autrement qu'à l'Assemblée nationale. Si les institutions sont sclérosées, confisquées par un établissement hégémonique, eh bien les choses se passeront ailleurs. L'Assemblée lui a tourné le dos. Jean-Marie Le Pen préfère miser sur d'éventuelles divisions dans la nouvelle majorité et parier sur l'élection présidentielle. Et là au moins, pas de surprise, il sera vraiment seul contre tous.